Ça tourne. Bonjour. Bon, pour ceux qui étaient là ce matin, on corse d'un cran. Sinon, pour les autres, bienvenue. Midi, c'est pour moi, c'est jour 8 de confinement. Et heureusement que j'ai mes deux petits balcons. Donc, on fait du cardio. J'ai mis mes chaussures. J'ai la bouteille, le tapis et le coussin bien épais qu'on peut plier en deux et la serviette pour après. Allez, musique et on va commencer à bouger sur place. Ah Mila, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux venir? Non, non, allez, soutenez bien le centre, tenez bien le ventre. Alors c'est pas évident pour les voisins peut-être, donc si vous voulez vous mettre sur un tapis, alors c'est à vous de doser là. Et évidemment, il y en a qui peuvent marcher, l'important c'est d'être avec vous. Allez, un pas de chaque côté comme ça. Rebondissez. Et essayez de sentir que vous n'êtes pas très essoufflé, respirez avec la bouche. Un peu plus loin peut-être. Allez. Tu me vois? Des repas en poussette, hein? Chana. T'as vu, t'as mis des rideaux pour que tu crames pas? Allez, sur place. Alors, si c'est trop dur, vous marchez, vous enlevez les bras. Hein. Le fait de sauter ou de sautiller, c'est plus difficile. Et de rajouter des bras, c'est encore plus dur. Quand il y a un petit impact, ça sollicite un peu plus tous les os, donc ça densifie davantage. Il me vient une idée. Gardez les mains. Vous avez bien fait ça? Allez, on va sauter à la corde. Véronique qui dit coucou. Véronique? D'un pied sur l'autre? Allez. Avec la coordination des mains, c'est difficile, hein. Allez hop, en piste de Isabelle. Et sur des ongles. Allez, vous montez tout doucement le pied à l'arrière. Je me suis réveillé à 3h du matin, impossible de me rendormir. Ok, récupérez. Vous ratez un truc unique. C'est Mila qui est en train de faire le cardio d'à côté. Je te déconseille de la montrer. Elle a pas mis sa robe en lamé des Oscars. Ok, montez les genoux. Donc là, vous voyez, je marche. On peut monter un peu plus haut. Elle était dans le couloir là. Allez. Tenez bien le ventre. Sans croiser les bras. J'essaie de faire doucement pour les voisins qui m'ont encore rien dit. Hein. Fort les bras. Décidez. On va de l'avant. Bonjour Mila! Ok, récupérez un petit peu. Descendez bien les mollets. Sentez que vous avez le talon qui se rapproche du sol quand vous pliez le genou. J'ai pas encore trouvé le bandeau, ni comment ça s'appelle le poignet. Grâce à vous, je suis en forme. Sur les côtés. Ouvrez un tout petit peu les genoux. Je vais apporter Mia. Comme si vous étiez en train de faire du roller. Ou du patin.
Le mec n'en a pris pas dans sa vie sous le manteau. Il donne des conseils. Allez, récupère. Le problème chez moi, c'est que même fatigué, le cardio, ça me fait des endorphines et après je dis des conneries. Allez, relâchez. En haut, en bas. Ça va, Chena? T'as dit mange bonjour? Allez, relâchez. T'as dit bonjour au début? J'ai pas entendu. Dis-le là. Non? Alors, Chena est très déprimée par les devoirs aujourd'hui. Hein. Elle est en train d'essayer de jongler avec la technologie qu'elle apprend. Et c'est pas la seule. Hein. Donc, je vous le dis parce que je pense que chez vous, c'est la même chose. Ok, allez, montez les genoux. Montez les genoux. Et puis vous allez essayer de sauter d'un point à l'autre. Amortissez bien avec les orteils. Je vais mettre mon collier derrière, sinon je vais finir par me casser les dents. Restez bien ouvert au niveau des épaules. Qu'est-ce qu'il y a, Chena? Tu vas t'abouer? Qu'est-ce qui te dérange là? Je sens qu'il y a un truc. C'est quoi? Tu veux quoi? Dis-moi. Non, c'est pas ça. Prends-le, vas-y. Allez, relâchez. Et puis va. Je peux rien faire ici, il n'y a pas de place. Comment ça va? Chena, tu veux avancer un petit peu la caméra pour te mettre derrière? Mais vas-y, non, hein. Là déjà on te voit pas très bien. Tu veux que je recule? Tu me mets là? Tu me mets là? Hein, dis-moi. Attends, je vais monter. Et ok, on va de l'autre côté. Tu peux avancer là. Et on revient. Ça va ça? Tu peux avancer là. On va le compliquer un petit peu, on le saute. Là. Ouvrez le pied par terre. Et tu le aussi. Alors ça s'appelle Superman. Là, on y va. Est-ce que vous arrivez à tendre la jambe derrière? Encore. Encore un peu. Ah, la musique, ça fait beaucoup, hein. Ok, relâchez. Associez un petit peu. Comme vous voulez. Et continuez. Je viens vous voir, moi. Et je recule. Encore. Make me feel. Ah, ah. You make me feel. C'est vrai, ça? Tu peux venir, chérie. Allez, allez, va. Allez, va. Allez. En haut. En haut. En haut. En haut. Écarte les bras. T'as attaché les cheveux? Non. Non. Maman, donne-moi un élastique. Toi qui passes par là. Un bon. D'accord. En l'air. En l'air. En l'air. En l'air. Et.
pas trop grandi. Et on avance. Sur place. Merci. Et on recule. Viens, reste avec nous. On ouvre et on ferme. Ouvrez les genoux. Jumping jack. Avec les bras. Viens là-dessus. Ouais. Encore. Faites bouger les enfants, c'est bien. Elle est partie, je sais pas où. Ok, récupère. Je le sens, hein. 10 minutes, 11. Avec l'insomnie. Ça fait 10 minutes et... Ok, genou devant. Et là, ça fait 11. Genou devant. Et... penche. Vous voyez? Les fesses en arrière, la poitrine ouverte. Et viens avec moi. Récupère. Attention de ne pas sortir du tapis, chérie. Pourquoi? Parce que tu vas glisser ta... On le sort un petit peu. Et saute. Saute. Reste. 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 Saute, saute, reste. Saute. Saute. Pause. Pause. Cours, cours. Pause. Pause. Bras opposés à la jambe avant. Et. Encore. Ça va? Ça va, ça. Allez, on relâche. Viens avec moi. Reste avec moi. L'autre sens. Allez. C'est une décorde. Tu vois? Ouais. C'est ça? Ouais. On reste toi. Continue à sautiller. Alors pour rester dans le cardio, on va donner des coups de pied. Pose à gauche et monte. Monte. Et pousse-moi avec les orteils. Arrondis le dos. Juste pousse. Alors, pousse avec le bout du pied. Protégez les dents. De l'autre côté. Allez, pousse. Vers l'avant, sans cambrer, décambrer, protéger les dents. Voilà. Et vous courez, pas lâcher les bras. Allez, voilà. Changez d'avis, je me retrouve. Cet après-midi. Cet après-midi, on me coupe les cheveux à la maison. Retenez bien l'avant. Ça va être quelque chose. Je vais avoir une coupe de footballeur, je sens. Comme ça. Que de toute façon, faut vivre. Et alors, regardez. Vous arquez, vous ouvrez, vous poussez vers l'arrière. Et vous revenez. Ah, pousse. Et pousse avec le bras. Pousse avec le bras. Voilà, le genou reste devant. Et les orteils aussi. Allez, marche. Encore, on se prépare de l'autre côté. On va ouvrir et pousser. Allez, pousse. Avec le bras. Visez un point. Le genou reste orienté avec les orteils. Pousse. 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 Et tu récupères. Encore 5 minutes. Fait chaud, ouvre la fenêtre, chérie. Non? On s'en fout, là, le genou ouvert. Et on pousse. Et on revient. Allez, plus vite.
Pousse. Pousse, protège les dents. Pousse. 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 Et cours. J'habite au bord du tram. Allez, Signe Molino. Allez, on ouvre le pied de l'autre côté. Et allonge. Et reviens. On y va? Allez. Et attention au meuble. Et ouvre le genou et le pied bien aligné. Et. Et. On récupère. Elle a reçu ses devoirs de sport. Elle doit faire des abdos, des étirements et du cardio. Ok, on chasse un peu sur les côtés pour récupérer. Attention, ne pas glisser, chérie. Ça bouge. Ouais, il est calé. Ok, petit ciseau. On va les dédoubler. Deux de chaque côté. Yo man! Continue à marcher, Shana. Viens ici et marche. Bien, t'arrêtes pas. Si vous vous arrêtez, vous ne suivez pas. Acide lactique dans les muscles, on ne peut plus bouger. Récupérez en marchant. Allez. On va se calmer tout doucement. Faites un grand pas. Récupérez le souffle. Viens avec moi, viens à côté. On va faire. Bien. J'ai peur qu'il ait écrasé les pieds. Viens devant. La fille veut jamais mettre de pantoufles, mais elle a dit attention à mes orteils. Mais non, mais c'est parce que là, je suis obligée de glisser. Honte à toi, cache ton visage. Ce sera mes bras, mon bâton de jeunesse. Attention à mes bras. Tu peux te faire des guillis? Non. Ok. Allez, tournez les épaules. Tu peux mettre les mains sur tes cuisses. Tu peux mettre les mains sur tes cuisses. Tu mets les mains sur tes cuisses. T'as les mains gelées. Ok, marchez. Devant. On va s'étirer bientôt derrière les jambes. Donc avancez là. Relâchez les bras. Privé léger l'expiration. Allez, on étire derrière. Asseyez-vous en arrière. Cambré. Le cul-cul en arrière. Ouvrez la poitrine. De l'autre côté. Allez. Les fesses en arrière. Appuyez bien la jambe. Ouvrez la poitrine. Ok, marche. La marche au demi-levé. On étire les mollets en parallèle. Plantez le talon, penchez en avant. Bonjour la francophonie. De l'autre côté. Mouillé. Je suis mouillé sous les bras. J'ai rempli la poche des os. Allez, on se s'étire en fente. Voilà. Le genou vers le sol. Voilà. Ramenez les fesses en avant. Redressez bien la poitrine. Je suis mouillé sur mes bras à l'autre côté. Tiens, de l'autre côté. C'est mon arme secrète. Allez, basculez bien. Vous avez droit à toutes nos blagues familiales. Vous êtes content? Vous êtes content?
Ok, allez, on boit. Il y a une gourde dans la cuisine, Chala. Celle de maman ce matin, va la prendre. Vas-y. Salut. Tu veux chichi? La prossima volta beviamo il prosecco. Tu veux chichi? Ok. Allez. Chana, tu nous changes la musique? Ouais. Ça fait seulement vanillé. Allez. Alors les enfants, extraordinaire ce qu'on a fait. Avant d'aller au sol, on va faire quelques exercices. Déjà un squat large. Ouvrez bien les genoux. Voilà. Vous avez les talons un peu plus larges que les épaules. Les pieds et les genoux vers l'extérieur. Je vous montre le profil maintenant. On n'avance pas les genoux, on écrase les talons, on soulève les orteils dans les chaussures et on va s'asseoir. Voilà, vous êtes assis à moitié et penché à moitié. Évitez ça. Tu veux fermer la porte? Voilà, et vous revenez. Non, 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 laisse ouvert. Voilà, vous inspirez en arrière et vous soufflez, vous revenez. Il y a Diane qui dit coucou, festatim. Coucou Diane. Chasseresse. Pose la, pousse la lumière, Chana, tiens, tu peux pas bouger là. Je la mets où? Bah tu la mets vers la table. Voilà. Tu veux venir faire les squats avec nous, chérie? Allez, viens. C'est bizarre, le squat. Regarde, plus tes talons. Squat, tu sais ce que ça veut dire en anglais? Baisser. S'accroupir. Allez, tu t'accroupis, tu t'appuies bien sur les talons. Regarde plus tes talons pour toi. Voilà. Il faut pencher moins le buste et t'asseoir plus en arrière. Voilà, c'est ça. Ça me tombe. Voilà, évitez ça. Utilisez les muscles des fesses pour garder les genoux ouverts. Voilà, ce sont les muscles de la posture. Ça évite de se refermer. Quoi? Ah oui, viens, on le fait ensemble. Vas-y. Mets les fesses en arrière. Voilà, ça c'est bien. Arrête-toi un tout petit peu avant. Tu vois, il ne faut pas que les fesses descendent sous le niveau des genoux, sinon il y a trop de flexion sur le genou et vous allez abîmer les genoux. Allez, descends un peu plus, cambre. Ouvre la poitrine. Tiens le bidou. Le bidou. Bidou bidou, pas bidon, bidou. Bidou. Allez, relâchez. Vas-y, va boire un petit peu, chérie, t'as pas bu? Si, j'ai bu. Ah, ok, super. Tu veux cheater? Non, je suis bien là, chérie. Ouais, bon, tu veux m'arroser? Viens. Ah, oh, mon Dieu, on dirait le pub au bas haut. On dirait que je suis asiatique et que ça s'ouvre comme ça les portes. Oh, ça va, c'est bon. Je me suis fait pipi dessus. Hein. Allez, maintenant, on resserre le squat. Largeur des épaules, un peu vers l'extérieur. Voilà, allez vous asseoir en arrière. Pressez les talons, ouvrez un peu les genoux. Remontez les orteils dans la chaussure. Vous devez avoir l'impression vraiment d'avoir des babouches. Vous remontez les orteils. Voilà, à moitié penché, à moitié assis. Sentez bien en appuyant sur les talons que ça travaille le popotin. Alors merci d'être là tous, et sur les vidéos du midi, on a 1000 vues en ce moment. Enlève-toi de la bouche, Chana, s'il te plaît, merci. J'ai enlevé. Voilà, vous regardez devant vous, sans casser la nuque, regardez à 2 mètres. Voilà, vous ne vous appuyez pas, hein. Si vous voulez monter un peu les bras, ouais. Ne les montez pas trop pour ne pas monter les épaules. Waouh. Voilà, vous restez au niveau de la poitrine. Papa, regarde. Et vous voyez, quand vous attrapez vos doigts, vous essayez de pousser vers l'extérieur. Ça contraste les muscles qui ouvrent la poitrine. N'oubliez pas de tout tenir, le centre, à partir du périnée. Mon ami, le périnée, me l'a dit ce matin. Le périnée. Tu vas voir Jean-Marie, si tu tiens pas le périnée, il va te faire ta roi. Quoi? Ta roi. Roi-ta. Allez, relâchez. Ok, allez, on va au sol. Vous vous asseyez. Et vous allez dérouler le dos en soufflant. Vous inspirez, vous restez. Vous soufflez, vous plongez vers l'avant. Et vous inspirez, vous vous redressez. Voilà, limitez l'amplitude, mettez les mains là derrière sans vous cramponner, vous voyez. Inspirez, soufflez, vous plongez, poussez le ventre en arrière. Les épaules vers l'avant. Voilà, tout ça c'est une contraction abdominale, donc ça resserre les côtes vers le bassin. Le bassin vers les côtes. Tenue du périnée, si vous serrez les jambes, ça tient mieux. Moi, je vais serrer là-dessus. Si vous avez le petit ballon là-bas, vous pouvez le mettre. Il y a beaucoup de mes élèves qui ont le ballon parce qu'on travaille en entreprise ou à domicile avec.
Voilà, je tiens à dire bonjour à tous mes élèves d'M6, RFM, Le Monde, Grazia, aide-moi Chana, qu'est-ce qu'il y a encore? Touri World Media, tout Condé Nast, M6, Vogue, Vanity Fair, GQ, tout ça. M6, on a dit. Balenciaga, le groupe Kering. Le Bon Coin. Tout Jacques et Brossard avec Marie-Laure. Et enfin. Je sais pas, moi je cherche. Ah, évidemment, tous les Tigres Yoga Club et Elodie Garamond. Que je connaissais pas. Allez, relâchez. Ok, allez, on monte les fesses. Il n'y avait pas le point, le bon point, le. Le bon coin, le point. Allez, vous mettez sur les talons. Non, il n'y avait pas un truc comme ça. Allez, vous montez les fesses et vous descendez. Il y a quelqu'un qui vient de Bruxelles. Oui. Et c'est Nathalie. Bonjour Nathalie. Je connais pas Bruxelles, Nathalie. Tu sais, je suis allée à Mons une fois pour danser. Et je suis allée avec une troupe de l'Opéra de Paris. J'ai dansé le ballet de Faust. Waouh. Waouh. Allez, faites la même chose avec la serviette. Vous allez attraper les paumes vers vous, donc en supination. Largeur des épaules. Voilà, vous restez en l'air et vous allez ramener vers vous. Épaules basses en soufflant. Voilà. Et imaginez que vous avez les omoplates qui rayent le string. La mouche, elle est partie. Voilà, soufflez. Encore, on est bien sur les talons pour sentir l'arrière des cuisses. Et les fesses. Voilà, vous restez, vous relâchez une fesse après l'autre. Et vous sentez qu'il y a un côté qui descend, mais l'autre reste en l'air. Et attention de ne pas faire la même chose avec les bras. Donc vous gardez toujours les bras tendus. Enfin, la serre est tendue et les bras écartés. Je sais, c'est beaucoup. Ça va, Chana? Tu veux venir? Tu viens à n'importe quel moment, hein? Même si tu fais un petit peu autre chose, hein, tu peux. Tu veux que je fasse quoi à côté de toi? Ok, allez, pour relâcher. Alors, vous avez les mains derrière la tête. On va continuer avec la serviette, vous allez voir, c'est vraiment mighty. Faites dépasser par les auriculaires. Voilà, donc vous soutenez la tête. Vous allez vous enrouler sans tirer. Et vous allez allonger une jambe après l'autre. Donc, pour allonger la jambe, vous avez besoin de toute la tenue des obliques. Gardez le bassin au même niveau et le périnée contracté. Il faut que je te prenne en photo. Ouais, si tu veux prendre des photos, vas-y, comme ça on les envoie aussi. Comme on a fait pour le jeu de yoga. Ça va les enfants? Ça va ça comme ça? C'est bon. Ok. Allez, vous relâchez. Non, maintenant. Étirez-vous un petit peu. Vous mettez quelque chose derrière la tête. T'as les yeux fermés. Hein. Alors, vous mettez les jambes en l'air. Oh. J'ai des idées, mais alors, il faut pas que j'ai d'idées, moi, c'est horrible. Est-ce que ça marche, ça? Est-ce que si je serre comme ça, et j'essaie de pousser vers l'extérieur, on sent le travail des fessiers, ça va se défaire? Non, on fera autrement. Alors, là, vous avez les bras un peu écartés. Gardez la bascule du bassin. Voilà. Sentez que quand, pas ramener les jambes, mais ramener le bassin vers les côtes, avec la contraction du périnée d'abord, ça travaille les obliques. Pour aller un peu plus loin, vous savez ce qu'on va faire? On va bloquer un peu les jambes. À peine. Si ça tire sur le dos, mettez quelque chose sous les fesses et ne faites pas le travail des bras qui résistent. Voilà. Qui font une résistance. Bah, soufflez, vous ramenez. Toujours le travail du périnée. Adaptez la hauteur de la tête. Bah, vous pouvez mettre encore plus haut, vous voyez. Alors relâchez. Descends la tête, monte les fesses. On étire un petit peu ici. Les bras en l'air. Alors, montez. Basculez bien le bassin.
Ça tire tout ça. Ok, même travail, de nouveau derrière la tête. Je vous dis pas ce que fait Shana, elle est en train de faire une choré. Danse avec la mouche. Et avec le scarabée. Avec... Alors. Non. Là, vous résistez que d'un côté. De l'autre côté, vous descendez. Voilà, souffle. Ce qu'il appelle la Et on va faire une petite coordination. Allez. Voilà, souffle. Ce qu'il souffle. Appelle de la chorégraphie. Et de l'autre côté. Les ailes de... Vas-y, on résiste et on allonge de l'autre côté. C'est les si ça tire sur le dos, je continue à parler, hein, tu leur parles aussi. Comme dans la vie, quoi. Décambré, le périnée. C'était quoi ta chorégraphie TikTok sur mon cours? Non, c'est... Perturbatrice. C'est les ailes d'hélicoptère. Tu vois? Allez, on monte les fesses. C'est ça. Ouais. Les ailes d'hélicoptère. Ne donnez plus de pâte à tartiner. Même bio aux enfants, ça donne ça. Mais il n'y en a plus. Il n'y en a plus? Ah, c'est dommage. Hein? Tu m'envoies très Marie. Tu vas te marier. Elle a un vocabulaire TikTok. Hein. TikTok. C'est mieux. Ok les enfants, alors là, derrière la tête, vous allez pivoter. Les bras à peine écartés, ne montez pas vous les bras. Vous soufflez, vous pivotez et vous inspirez, vous revenez. Gardez la bascule du bassin. N'hésitez pas à adapter la hauteur de la tête pour qu'il n'y ait pas de douleur dans le dos. C'est à vous de voir, vous allez vite voir. Hein. Tirez loin sur les doigts, comme si vous étiez électrocuté. Je fais des progrès à la caméra avec vous, hein. Achoum. Ah ouais, c'est à tes souhaits, quoi, c'est ça, Achoum. Hein? C'est ça que tu voulais dire? Ouais. Je sais pas. Le problème, c'est qu'elle tient de sa mère. Ouais. Hein? Allez, basculez bien le bassin. C'est pas vrai. Allez, on étire ici. On enlève le coussin, on monte les fesses. Je vous rappelle que vous devez être capable de vous mettre sur les talons. Donc avancez un peu plus loin que les genoux. Tu devais pas enlever tes chaussures. On reste en l'air. Non, j'ai décidé que c'était plus dynamique, tu vois, pour le cours de midi. Je reste avec, là. Donc vous restez ici, vous allez développer une jambe après l'autre. Vous vous rappelez tout à l'heure, on a travaillé une seule fesse. Donc servez-vous de cette contraction-là. Voilà, on monte une jambe après l'autre. Évidemment, de l'autre côté, on ne s'effondre pas. C'est le rôle de l'oblique qui ramène le bassin du côté où on se soulève vers les côtes. Il y a un terreau la semaine prochaine. Hein. Allez. Et encore une fois, c'est pas bien les contrôles pour tous ceux qui nous regardent. Ça me rappelle un truc quand on chantait un colémie de vacances. Je crois que j'étais là. C'était quoi? Les contrôles. Demain, on se fait la malle. À bas la vieille. Ah, c'est quoi? À bas la cantinière, espèce de vieille sorcière. Ah oui! Qui nous fait manger de la vache enragée. Il y avait tout le monde qui passait comme ça. Il y avait l'infirmière qui nous plante dans le cul, des aiguilles tout tordues. Yeah, yeah, les copains, c'est demain qu'on fait la fête. On voit qu'on fait la malle. Enfin, pardon, je travaille là. Je travaille et j'anime. On se plaint? On vous a pas dit. On se plaint? Eh bien, vous écrivez, vous envoyez. Et vous sortez pour vous mettre dans la brette surtout. Allez, relâchez. C'est superbe. Étirez un petit peu une jambe après l'autre. On vous a pas dit qu'on avait enregistré une image avant. Et tu parles après. T'en veux-tu faire rien? Ah, j'ai vu un truc comme ça. Il y a des gens qui avaient fait une photo de coussin sur le canapé, un grand comme ça. Ils se cachaient derrière, les enfants cherchaient, et eux ils étaient derrière. Et puis quand les enfants étaient passés, ils sortaient. C'était génial. Allez, on y va. On va à plat ventre. On met le coussin sous le bassin et le ventre, donc vers le haut. Ça va permettre d'avoir moins de tension. Ça va mettre sur le bas du dos. On commence par faire les missiles. La flûte. Les jambes de la largeur des épaules. Restez en parallèle avec les talons vers le haut, les genoux vers le bas. Basculez le bassin, la tenue périnéale, les obliques. Donc pour contracter les obliques, pensez que vous resserrez le bas des côtes. Tirez sur les doigts, paume vers les cuisses ou vers le haut. Et vous rentrez le menton. Vous foncez comme un bulldozer. Papa, je vais te faire plaisir. Maintenant, vous attrapez la serviette.
Et vous tendez la serviette en ramenant les mains vers le sol. Ça va contracter la poitrine à l'avant et l'épaule. Papa, je vais te faire plaisir. Regarde. Dis-moi. La flûte de Pan. La flûte de Pan. Comment t'écris Pan? Dis-le à Marilyn. P-A-O-N. Non, dis-lui. Je te rappelle que Marilyn est bibliothécaire à l'école. Si tu lui dis la flûte de Pan. Pan. La flûte de Pan. C'est quoi déjà? Allez, restez en l'air. P-A-N. Essayez de soulever les mains et de redescendre sans lever les épaules. P-A-N, ouais. Avec un P majuscule. C'est le dieu Pan. Ramenez le coccyx vers le sol, plantez le pubis. Le fameux planter le pubis qui nous définit tous. Allez, on étire brièvement. Dos rond. Alors maintenant, on va être dans cette position, toujours allongé. Là, baissez bien les épaules, tendez la serviette. Là, toujours le coussin sur le bassin et vers le nombril. Vous écartez les jambes, faites une rotation externe dans les jambes et vous vous soulevez. Et vous revenez. Si ça fait mal au dos, gardez les mains au sol. Je ne vois pas en entier, donc je dois me pousser. Tu veux que j'avance? Ah, je sais ce que je fais, Chadin. Non, faut que tu recules. Ouais. Comme ça, il faut absolument que les gens me voient. La tchoum. Je suis l'attraction. Non. La femme à barbe. C'est d'ici pas. Les moulinots. It's not vrai. C'est bon, je te vois. J'écarte, je plante le pubis, je baisse les épaules, je me soulève. Et pour être sûr que je ne me soulève pas par les mains, je soulève un peu les bras. N'hésitez pas à adapter, hein. Je monte moins haut, je garde les coudes au sol. Par qui la manche? Je suis griffée. Un dernier? Regarde, papa. Je suis griffée. Allez, étirez-vous. Tu t'es griffé en chassant une mouche? Mais non. Je télétravaille joyeusement avec un enfant. Je. Eh ben moi je te filme. Je fais pas comme si elle n'était pas là. J'ai renoncé à ça il y a longtemps. Il y a une semaine. Allez, moi, chérie. Chérie, je t'aime. Chérie, je t'adore. Moi, j'ai d'autres choses à faire. Ouais. Beaucoup. Je vous dis pas qu'elle a la blessure payée, hein, ça serait faux. Allez, soulevez la tête. On va allonger une jambe après l'autre. Mais il a pas voulu. Et on va encore faire le truc de tout à l'heure. La serviette derrière les cheveux. Resserrez les coudes, ne cassez pas les poignets. Ça tire sur le dos, vous mettez quelque chose sous les fesses. Petit coussin. Ouais, viens. Et si ça tire sur la tête, posez-la. Bonjour. Posez-la, vous, comme ça. Ouais, mais tu peux faire les abdos, tu sais que tu dois les faire pour ton prof de sport. Vas-y. C'est ça, les abdos? Oui, vas-y. Mais pourquoi? Parce que c'est dans tes devoirs, chérie. Ah, c'est des devoirs. Ouais. C'est mieux. Ok, on va lâcher. Les abdos? Ouais. En fait, les abdos sont contractés pour empêcher le dos de lâcher. Tu vois? C'est pas des abdos qui se... contractent, qui réduisent, c'est des abdos qui maintiennent le bas du dos. Voilà, et c'est à ça que ça sert en fait. Parce que dans la vie de tous les jours, tu marches pas comme ça dans la rue, bonjour, j'avance. Non, tu maîtrises le bas du dos pour ne pas te faire mal. Voilà. Mais tu sais que si je fais pas mes abdos, ils vont jamais le savoir. Ben là, ils vont savoir. Non, ça y est, tu t'es grillé. Resserre un petit peu tes pieds. Resserre les pieds. Resserre tes pieds. Ok, c'est formidable. Alors, là, on pivote un tout petit peu. Voilà, vous ramenez l'épaule et le coude vers le genou opposé. Et vous descendez l'autre jambe. Avec ou sans quelque chose derrière la tête. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Là, je trouve. Je ne sais pas du tout. Quelque chose. La vitrale. Voilà, on ne tourne pas beaucoup, vous avez remarqué, hein. Bah, n'hésitez pas à mettre quelque chose dessous. Ah oui, c'est ça. Si jamais ça tire trop, vous nous enlevez la jambe. Vous pouvez même poser les pieds. Hein.
faut le faire comme ça. Mais comme c'est notre cours intermédiaire du midi, vas-y, essaye de passer, je ne te toucherai pas. Vas-y, essaye de passer, je ne te toucherai pas. Arrête de se faire mal. Non, non, non. T'as déjà été toute nue en public. Allez, on étire. De toute manière, on m'a pas vu. Voilà. Sentez bien que ça tire là. Vous descendez les fesses en premier. Ok, allez, rembourrez le popotin. On va faire la fameuse série des 100. Je pense que vous ne la connaissez pas. Alors, vous montez. Vous descendez les jambes bien serrées là où vous pouvez maîtriser. N'hésitez pas à plier. Et là, vous allongez un bras, un bras qui tient la tête. Et on fait des tout petits mouvements avec le bras sans bouger l'épaule. Ouais, on inspire saccadé en reniflant. Et on souffle pareil. Inspire, 2, 3, 4, 5. Souffle, 2, 3, 4, 20. Inspire, 2, je descends plus bas. Souffle, 2, 3, 4, 30. Inspire, 2, 3, 4, 5. Souffle, 2, 3, 4, 40. Dernier de ce côté. Souffle. De l'autre côté, bah, tu fais de la coordination parce que quand tu contractes les abdominaux dans la vie de tous les jours, eh ben, tu n'es pas en train de faire simplement un truc, tu fais plein de trucs en même temps. Allez, inspire, 2, 3, 4, 5, souple, 3, 4, souple, j'ai dit. Inspire, 2, 3, 4, souple, 2, 3, 4, 90, dernier. Je suis mis en bas, souple, 2, 3, 4, stop. Inspire, amène, souffle, relâche, tu peux mourir gentiment. Et on étire. Ça va chérie? C'est quoi cette idée bizarre? Attends, on va voir si j'ai la force dans les fesses. Assieds-toi là. Vas-y, assieds-toi. Tu vas essayer de te soulever. Comment tu veux, je m'assois? Bah, assieds-toi comme tu veux. Comme ça? Ouais. Comme ça? Vas-y. Comme ça? Ouais. Tu vois si j'y arrive? C'est faux. Oh. Ah, c'est pas mal. C'est bien. Mais il faut vraiment basculer le bassin, hein. Sinon, adieu vos vaches cochons, Berthe et tout le monde. Allez, descends. Attends. Why? Why? Tell me why, the soir. Alors, et maintenant, je vais dérouler mon corps de grève. De graisse? De graisse. La salope. Tu vas dérouler ton corps de graisse. T'as dit quoi? Je viens de te licencier. Mais je suis pas payée. Chana. Il faut que tu me lâches, que là, t'es en train de me faire mal au dos. Ouais, ouais. Quand tu me tires en arrière, chérie. J'apprécie que tu me fasses un massage, mais quand tu me tires en arrière, ça fait mal. Allez, tu me le feras après, chérie. Mais... Fais-le. En revanche, viens le faire avec nous, ça c'est important pour les abdos. Ouais. Là, tu déroules, tu gardes le dos arrondi, comme une conque. Attends, je suis même pas sûre qu'on te voit. Ça marche? Bah, envoyez un petit peu. Comment ça, envoyez un petit peu? Tu verras. Super. La technique est absente aujourd'hui. C'est la grève de l'ORTF. Ça cause de maman. Ça n'existe plus l'ORTF, c'est ça? C'est maintenant, c'est la SNCF. Mais non, c'est la SNCF. L'ORTF, c'est devenu la SNCF. C'est quoi? Je vous avertis, hein. Allez, étirez-vous. C'était la télévision. Tu peux aller baisser le son, s'il te plaît? Merci. Allez, faites-moi 2-3 montées comme ça. Les bras en l'air, éventuellement. Mais tu bouges tout. Ok, alors les enfants, on déroule davantage. Regardez. Vous allez commencer à dérouler. Vous allongez les bras en arrière sans tout lâcher. Donc imaginez, vous avez une énorme pierre dans les mains. Et si vous ne voulez pas vous déboîter les épaules, vous n'allez pas trop loin. Vous la ramenez là devant, rentrez le menton. Poussez le ventre en arrière, les épaules en avant. Si vous avez du mal, vous mettez le petit coussin. Voilà, un petit peu au niveau des reins, plus ou moins, plutôt vers le haut. Voilà. Et en fait, il faut que votre cambrure s'appuie sur le coussin pour remonter. Voilà, vous soufflez, vous déroulez. N'hésitez pas à allonger les jambes. Pour remonter, vous pliez les jambes. Voilà, et si vous voulez, vous étirez vers l'avant. En poussant bien le ventre en arrière. Va voir le cadrage. J'ai une danseuse de pole dance sans pole là. Mais pas du tout. J'étais... Ah, t'as oublié le monde tout à l'heure, non? Non, le monde, j'ai dit.
Puisque là ça sonne, tu devrais y aller maintenant. Ouais, c'est mon agenda. Alors, j'abdique. Qui est-ce ? À ce soir, j'abdique. C'est Giron ? Oui. Ah, maître Capel, maîtresse Capel au Giron ? Pourquoi tu as dit j'abdique ou d'abdique ? On peut garder les jambes tout le temps tendues si on a pas mal au dos sinon on plie. C'est quoi j'abdique ? Abdiquer, ça veut dire je renonce, je laisse tomber. Je savais. Tu me testes ? Oui. Serrez bien les jambes pour la stabilité du dos. Elle quand a dit, vous remontez. J'abdique à ce soir, bisous. Allez. Abdique, en fait, c'est les abdos, mais féminin, tu vois. Un abdo et une abdique. Ne dis pas. Ne dis pas, parce qu'on va finir, on va passer au journal. Ah. Non, non, ah, je savais. Ah oui. Non. Ah, mais oui, je savais. Oui. Alors, pas... les enfants. Non, c'est pas vrai. À quatre pattes. Bah alors, je savais pas, parce que c'était pas vrai. À quatre pattes. Stabilisez les épaules. Repoussez le sol. Appuyez le pouce et l'index. Voilà. Soulevez les genoux en basculant le bassin. Voilà. Et surtout, vous ne lâchez pas les épaules. Allez, soufflez, vous montez. On va avoir besoin de ça dans le mouvement qui va suivre. Voilà. Essayez d'écarter un petit peu les jambes pour l'équilibre. Voilà. Transférez le poids du corps sur une main. Soulevez une main. L'autre main, soulevez l'autre main et vous reposez. Encore une fois. Soulève, appuyez bien le pouce et l'index, servez-vous des abdominaux, repoussez bien le sol et relâchez. Maintenant, regardez. Vous allez allonger une jambe derrière, pied flex. Donc, les orteils, dis-moi si tu vois, Chana, les orteils vers le sol. Elle est en train de boire le vaporisateur. N'importe et le talon vers le plafond. Vous repoussez le sol. Voilà, basculez bien le bassin, serrez la taille, montez le bras opposé. Voilà, vous l'allongez et vous revenez. Voilà, vous l'allongez vers l'avant, vous l'allongez vers l'arrière, toujours la paume vers la tête comme ça, voyez, et vers les fesses. Et l'important, c'est la stabilité de ce bras-là, au sol, les abdominaux, pas de rotation sur la jambe arrière. Allez, on finit par faire le cercle. On plonge. On a un petit on problème. Nage. On nage. On a un problème. Et on nage. Qu'est-ce que c'est ? T'as presque plus de batterie. L'autre côté. T'as le chargeur à côté, en bas. Ouais, mais faut que j'enlève le téléphone. Vas-y, l'autre jambe. Allez, vas-y. Je te laisse faire. Voilà. Le talon vers le sol. Le talon vers le plafond. Les orteils vers le sol. Appuyez bien la main. Faites une bonne répulsion. On déplie vers l'avant. Paume vers la tête. Sans coller le bras. Et vers l'arrière. Désolée si ça bouge. On est en charge. Si ça bouge. Voilà. Basculez bien le bassin, repoussez bien le sol. Grandissez jusqu'au sommet du crâne. Soufflez en avant, soufflez en arrière. Pas de rotation de la jambe derrière. Allez les sirènes, on plonge. Plongeons. On avance. Voilà. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. C'est... Encore deux, trois. C'est pas drôle. S'il y a un élève qui me connaît depuis longtemps et qui m'entend faire la même blague, je pense qu'il se suicide. La même blague et le confinement. Ok, super. Allez, tire un petit peu le dos. Poussez ça en arrière, ça en avant. On a fait 50 minutes. Oulalalala. Oula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 . Alors, les enfants, sur le côté. Vous avez le pied. Voilà. Le pied par-dessus l'autre. Le pied du plafond par-dessus l'autre. La main sous l'épaule. Commencez par baisser l'épaule là. Baissez l'épaule et vous relâchez. Appuyez bien le pouce et l'index. Baissez l'épaule, sentez que ça se contracte là. Maintenant, vous baissez l'épaule et vous allez monter sur un genou. Voilà, là. Vous sentez la stabilité de l'épaule, le travail là. Et vous repliez. Allez, baisse l'épaule et monte. Tends la jambe du haut. Maintenant, on va essayer de tendre la jambe du bas. Vous avez vu que je n'ai pas les deux jambes l'une sur l'autre pour ne pas faire mal au genou du sol. Ouais, maintenant ils ont vu. Ah, et vous repliez. Encore une fois, stabilise l'épaule, appuie les doigts, montez tant. Vous restez là, vous relâchez un peu et vous remontez. En bas, en haut. Inspire, souffre. Souffle. Elle me fait. Sérieux, papa? Quoi? Et un change de côté, joliment, un doigt pour tourner. Ah. Allez,
le pied du plafond par-dessus l'autre. J'ai ma capsulite là. Je cite encore mon kiné, monsieur Boutari. J'ai mal à l'épaule. Ça, allez. C'est pour moi les obliques. Baissez l'épaule. Ah, c'est Franck ? Oui. Franck ! La photo, Franck. Le selfie. Franck photo. Les obliques, c'est depuis le début. Hein. Allez, baisse l'épaule, monte la fesse. Voilà, on tend la jambe, on inspire, on reste. Voilà, poussez ça vers le haut, ça va contracter ici. Inspire, reste, et souffle, relâche. Encore, je stabilise l'épaule. Je monte. Allez, restez. Tendez les deux jambes. Serrez les l'une contre l'autre. J'inspire, je reste. Et je souffle, je relâche. Je stabilise l'épaule, j'inspire. Soufflez, je monte et je tends les jambes. Et on y va, en bas et en haut. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffre. Et souffle. Qu'est-ce que c'est là? Je tremble, je suis ému. Maman, je te retourne, je te retrouve après 13 ans. Allez, relâchez. Va-t'en. Pas de vidéo, pas de chocolat. Allez, d'ailleurs, les chocolats, il n'y en a presque plus. Hein. Je lui ai dit, mais tu sais, garde-en, mange-en un par jour. Non, c'est l'histoire de la cigale et de l'autre, vous savez. Mais non, c'est maman qui a tout mangé, ça c'est vrai. Ouais, j'ai tout mangé les chocolats. Et c'est maman. J'ai tout fumé les cravettes. Alors, les pompes, les chéris. Alors. Allez, on y va. Pour les jambes. Repoussez bien ça, basculez le bassin. Posez et une pompe. Tendu, posé et pompe. L'impression, c'est de plonger par-dessus les doigts. Écartez suffisamment les mains pour arriver à appuyer le pouce et l'index. Elle souffle et... Il y a... Et si vous voulez, vous pouvez garder tendu si vous n'effondrez pas le bassin. Il y a monsieur Oblique qui dit... pour selfie, on a le même âge. Ouais. Mais je fais 10 ans de plus que toi. Quel est ton secret pour selfie? Alors attends, comment tu connais mon âge, Franck? Allez, relâchez. Bah parce que bah, tout le monde le sait. Ben non, Franck, vas-y, poste mon âge. Franck, poste... Tu le Michal. Et puis si c'est pas ça, bah je vais révéler son âge. Allez, vous allez en avant. Appuyez le pied à l'avant, appuyez le pied à l'arrière. Franck... Basculez bien le bassin. Mais l'âge de Jean-Mariette. Ah. Allez. L'autre côté. Je souris devant l'adversité, basculez bien le bassin. Elle est en train de me faire comme ça. J'étais dans ta classe. Dans ma classe? Quoi? Mon Dieu, c'est vraiment improbable. On vit un moment d'histoire. Tu es de Marseille? Tu crois qu'il t'a confondu? Franck comment? Franck Code. Dodd. Ribéry? Dodd, c'est marqué Dodd. Allez, on se tient sur le côté. Franck Dodd. J'attends la réponse à un moment. Hein. Mais tu sais, je reçois pas tous les messages, donc... Ah, d'accord. Moi, on va le dire au cas où. Hein. Allez, à côté. Donc, j'espère que... Ah, au Provence. À Provence. Ah, oh, il a marqué au Provence. Mais ça date. Au Provence. Franck. Mais combien il âge? Ah, tu me parles d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Moins de... La vie en ce temps-là était si bizarre. Écoute, Franck. Moi, Provence, tu sais ce que ça me rappelle, l'école de Provence? Ça me rappelle que je passais mes récréations dans le figuier pour pas me prendre des ballons. Donc j'étais perché sur la branche en attendant la fin de la récréation. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Hein. Il n'y a pas de figuier. J'en ai acheté un. J'attends qu'il pousse. Pour monter dessus. Pour monter dessus. Voilà. Ah. Ok. Alors vous avez étiré les côtés. On a étiré devant. On finit par étirer derrière. Combien il âge? Allez. Toi tu sais combien Franck, il âge? Franck, j'avais des années d'avance. Donc peut-être que tu as... un ou deux ans de plus que moi, tu sais. Déjà, pied flex, on amène le nombril vers l'avant. Okay. Voilà, appuyez bien le pied dans le sol. Du coup, il a 6 ans de plus que toi. Allez, flex.
Vous amenez le nombril vers l'avant, ouvrez bien la poitrine. C'est maintenant que tu me le dis. Et la mouche. Regarde, elle est revenue, tu vois, petit chien. Vous sentez l'étirement derrière la cuisse? Ouais. Dites oui, comme ça on est débarrassé. J'amène le nombril vers l'avant, j'ouvre la poitrine. Allez, mettez-vous debout de vous. Mais il a pas dit voilà. Ton âge. Peut-être que c'est mieux comme ça. Hop, on se rhabille. Voilà, parallèle. Donc toujours l'impression de rassembler un peu les jambes. Le périnée, les obliques. Voilà, vous pliez les jambes. Gardez les talons au sol. Gardez les genoux vers l'avant. Tirez sur les doigts. Et ouvrez bien la poitrine. Alors, vous tendez, basculez bien le bassin et vous montez sur la pointe des pieds. Sans partir en arrière, donc travaillez vos obliques. Les obliques qui servent à ramener les côtes vers le bassin et le bassin vers les côtes. Allez, inspire, plie, souffle, tend. Inspire, monte. Regardez sous le niveau des yeux pour ne pas partir en arrière. L'impression c'est quand vous tirez les cheveux sur la nuque. Tire les cheveux. Allez, une dernière fois, inspire, plie, souffle, tend. Inspire, monte. Inspire, plie, souffle, tend. Coccyx à l'avant. Inspire, plie. Alors, restez la tête dans les nuages et vous descendez. Et vous relâchez. Bon, je voulais simplement vous dire, bon, ce soir, évidemment, comme d'habitude, le yoga doux pour se calmer, pour se détendre, pour méditer, 18h30, seul ou en famille. Demain, j'ai une demande, une spéciale le matin, il y a une mouche, à 9h, spéciale pour les seniors. Donc, on va faire marche vraiment calme, mais quand même, et on va travailler sur une chaise. Voilà, c'est pour tous les parents, grands-parents qui sont à la maison, qui sont tout seuls. Ok? Allez, je vous embrasse, bon après-midi et à ce soir. Je vous aime. Bisous.